faut que tu aies vite. Pas frotter la lampe. Carbone. Steep here. So should turn him out. No, no, it should be okay. Des freins, j'avais oublié, des freins céramiques. La famille donc de retour dans la R8. Regarde-moi ça, ça fait pas plaisir, ça nous avait manqué. Je suis avec Laure, hello, qui va être avec nous aujourd'hui. Donc c'est la première fois que je la conduis depuis très longtemps. Donc on va voir si elle roule bien déjà et aller la nettoyer. Elle fait un petit bruit chelou derrière. Je sais pas ce que c'est. Se prendre le mur, elle est tellement basse. Ok. Cette voiture, la famille, déjà on est un peu rouge, je suis en train de regarder là-bas. Mais cette voiture, donc ça fait 3 ou 4 mois que je ne l'ai quand même pas roulée et je l'ai seulement roulée à Londres. Et là, on est sur des petites routes, donc boîte manuelle, 550 chevaux, Audi R8 V10. Il y en a seulement 6 en Angleterre, comme ça, je ne sais pas, en France, je crois qu'il y en a peut-être une dizaine. Il y a l'échappement dessus, Zenrage, donc elle fait un beau bruit. C'est surréel, vraiment vraiment cool. Il y a encore plein de changements comme tu sais qu'on va faire à cette voiture. Donc ce n'est que le début, donc ça va arriver. Mais ah, mais là c'est incroyable. C'est tellement stylé. La sensation que tu as à travers le volant. Là le moteur il est froid encore. Et comme elle n'a pas roulé depuis tellement longtemps, j'ai pas envie de vraiment taper dedans. Mais oh, ce bruit du V10. Là on a ouvert toutes les vitres parce que sinon il faisait bien trop chaud. Et alors là en superstar en train de filmer. Mais avoir cette boîte de vitesse Manu, c'est juste magique. T'aimes bien? Ouais. Une petite accélération. Désolé, il y a l'or. Il est littéralement en train de bouger dans tous les sens quand dès que j'accélère. Ah, la puissance qu'elle a quand même, 550 chevaux Atmo. Et ce bruit, oh, avec la boîte. Oh oui, regarde le bruit. Ah, ça m'avait manqué. Ce bruit. Ah. Non, j'étais trop content. Parce que j'ai jamais vraiment pu la rouler comme ça. Et ça fait tellement longtemps qu'on l'attend. Maintenant elle est finalement arrivée. Ah, aussi pour que j'explique un peu, elle est arrivée en camion de Londres. Donc à la base j'allais la conduire comme j'ai dit dans une dernière vidéo. Mais après on s'est dit que c'était plus simple en camion quand même. Faut bien qu'on la nettoie parce qu'elle est très sale. Et vu que personne l'a conduit depuis tellement longtemps, faut faire attention là parce que le carbone à l'avant. Ok, c'est bon. Waouh, oui. T'as bien ce bruit? Ouais. Il est pas mal, hein. Ah, c'est tellement. Attends, passe le tel. Vas-y. Je vais montrer un peu à la famille ce que moi je suis en train de voir. La vue que j'ai là, avec ce volant donc plat en bas. Si tu le sais peut-être, je vais mettre des LED sur le volant. J'ai commandé un nouveau volant. Mais ouais, c'est. Ah. C'est trop cool, je suis trop content. Avec la vue qu'on a autour aussi. Attends, je te redonne le téléphone. Alors, il y a beaucoup de gens qui demandent aussi pour le covering de cette voiture. Où est le covering? Ça va arriver. On va le faire du coup. Ah, on a quoi? Attends, je
Monaco bientôt, je suis pas sûr exactement quand, mais il va être en or. Vous avez déjà peut-être vu comment on va le faire, ça devrait être super sympa. Et les jantes, j'ai pas encore commandé parce que j'ai pas pu trouver exactement celle que je veux, et j'ai pas décidé entre noir et or encore pour les jantes. On verra, hein. Putain, ça fait chaud, hein. Bravo. On n'arrive pas, regarde, attends, si tu leur montres, on n'arrive pas à voir comment ce truc ça marche. Ça fait depuis tout à l'heure qu'on essaye de trouver une manière de faire marcher la clim, mais on n'y arrive pas. Attends. Tu découvres avec nous. Ouais. Quoi, 20 degrés? C'est un full. Mais après ça fait. T'as de l'air qui sort de ton. Non, degré. Moi j'ai pas d'air. Y'a rien. Non. Mais il y en avait avant. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Attends, non, là c'est de l'air chaud qui sort. Ouais. Oula, oula, oula. Attends, il y a un bug du système, la famille, là. Mais, bref, bon, on verra ça après. Les gens qui me demandent qu'est-ce que je vais faire maintenant avec donc ça et la Scuderia. Deux voitures complètement différentes, bien sûr. Donc la Scuderia, c'est vraiment une voiture, bah, c'est une voiture de course, en gros. Magnifique, bruit de malade, mais même si là, en ce moment, je la roulais un peu quasi tous les jours, là, à cet instant, elle est en révision. Mais je la roulais quasi tous les jours et ça commence à faire un peu hardcore, quoi. Donc là, avoir la R8, elle est très confortable. Il y a un bon système sonore. L'hiver, tu as les sièges chauffés, tu as tout ce qu'il faut. C'est beaucoup plus pratique. Alors oui, elle est en conduite à droite. Je vais la garder en conduite à droite ici pendant quelques mois. Et après, je vais voir si je la vends et si je prends quelque chose d'autre. On verra. Mais pour l'instant, ça va être mon daily avec le Twizy. Beaucoup plus confortable. Toi, tu es monté dans les deux. Ouais. Mais tu vois, celle-là, elle est plus confort, hein, quand même, si tu compares. Parce que la Ferrari, c'est assez intense. Mais là, regarde, siège chauffé, là, on a la clim. On est bien, hein, on est tranquille. Ouais. Hein? Bonjour, Joseph. Salut, Michel. Ça va? Comment? Il est comment le bruit de dehors? Il est lourd, incroyable. Ah ouais? Ah ouais. Parce que de l'intérieur, elle est tellement bien sonorisée que t'entends, mais pas comme la Ferrari, quoi. Ouais. Mais de dehors, apparemment, c'est violent. Laure, ça devient une fan de voiture. Ouais. Elle va avoir le bug. Le petrol head bug. Bon, là on va aller nettoyer la voiture. Je vais te redonner le téléphone, je vais éteindre ça. Et on se voit au carroche. Bon, on est arrivé, mais on n'a toujours pas pu faire la clim. On va peut-être y arriver en remontant, on verra. Alors j'éteins. Si tu te souviens aussi, j'ai toujours ici, tu vois, un clapet pour l'échappement. Donc ouvert, fermé, Zen Rage. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est un truc de malade. Juste le saut. Ouais. Il est beau, hein. Prendre la vitesse. Ouais. Ben le son, moi, j'aimerais bien l'entendre de dehors une fois. On verra, quoi. Toi qui as vu la Ferrari beaucoup? Moi je l'ai fait celle-là à Londres. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais là c'est différent, non? Ouais, non, elle va mieux dans l'environnement ici. Ouais. Ouais. Tu peux bien l'exploiter, les routes, dans les courbes et tout, c'est parfait, quoi. R8 prête. On va aussi nettoyer ta magnifique auto. Très très belle. Mais Laure, tu n'as pas le permis, mais on va t'apprendre. Enfin, c'est pas très compliqué. En fait, on dit ça, mais c'est juste pour que Laure nettoie la voiture, quoi. Alors, lecture de carte. Pré-lavage, shampooing. T'es prête? Ok, vas-y. Prends-le. Et maintenant, tu cliques le truc et tu fais le tour de la voiture et t'en mets de partout. Verdict, c'est qu'elle m'avait énormément manqué. Je suis très content de l'avoir encore. Et en plus, t'imagines quand on va l'avoir à côté de la Scuderia. Et Laure, oui, a approuvé la voiture. T'approuves? J'approuve. Ça, c'est important. Bon, bah voilà. Et voilà, elle est propre. Maintenant, on peut profiter. Sur ce, je pense qu'on dit au revoir à la famille. Ciao, ciao. À la prochaine. Abonne-toi si tu ne l'es pas encore. Je vais mettre l'Instagram de Laure aussi pour que vous puissiez aller la suivre. Ciao. On va faire plein de trucs, plein de vidéos ensemble dans le futur. Ça va être fun. Mais voilà, la R8 est là. Pour l'instant, grise. Pour l'instant, toujours pas avec la Scuderia. On va régler tout ça. À bientôt, la famille. Ciao, ciao.